Oh, tout petit, Sophie. Mais non, voyons. Oh, tout petit, tout petit. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oui, là, mais faites vite. Ah, Sophie, la vie de nos maîtres, pour ce moment de bonheur. Oh, Longusman, c'est pas le moment. Je viens de servir le café aux bourgeois, ils peuvent sortir de table et nous surprendre. Finissez. Ah, eh bien, qu'ils nous surprennent. Merci, nous flanquerez à la porte. Allez, filez. Tiens, voilà une bouteille de vin et une moitié de pâté que j'ai sauvé du dîner. Pour qu'il vous en reste du pâté, je l'ai pas repassé. Ah, voilà comme je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Et quand te verrai-je? Ce soir, si vous voulez. Ce soir? Les bourgeois ne sortent donc pas? Non, vous n'aurez pas à atteler. Quand tout sera éteint, vous repasserez par cette fenêtre. J'aurai soin de la laisser entrouverte et vous montrer jusqu'à ma chambre. En tout bien, tout honneur. Bah, naturellement. Ils arrivent, déguerpissés. Ah hey Bien moi je désire que ça ne se renouvelle pas, des équipés pareils. Tu désires vraiment? Parfaitement. Laissez-nous, Sophie. Oh oui, monsieur. Oh, bien droit. Parole d'honneur, je crois que tu as eu un accès de folie aujourd'hui. Mais c'est insensé. Toi, une femme comme il faut, venez me faire cet esclandre en plein conseil d'administration. Qu'est-ce qui me prouvait que t'étais en conseil d'administration? Mais comment est-ce qu'il te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion de conseil d'administration, je vais te faire faire du Nord. C'était clair, il me semble. Eh bien non, ça ne suffit pas, madame. Il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas cinq minutes que le président avait ouvert la séance que tout d'un coup, une trombe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame qui s'écrie devant tous les membres effarés. Nous allons donc le voir, ce fameux conseil. Et après, ils n'en sont pas morts, tous ces messieurs, je suppose. Mais tu te rends absolument ridicule. Et moi avec... Ah, toi. Je sais bien que ça t'est égal. Il n'empêche que j'exige que ça ne se représente plus. Oh, en voyant là, ma parole, je savais plus où mettre. Et monsieur de Rothschild? T'as pas vu la figure qu'il faisait, monsieur de Rothschild? Ah, il ne l'a pas mâché quand tu as été parti. Vous aurez la bonté, cher collègue, m'a-t-il dit, d'avertir madame Ribadier pour l'avenir que nos réunions sont privées. Voilà ce que tu m'as attiré. Mais qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Oh, naturellement, vous avez laissé marcher sur moi. Eh bien non, je t'ai excusé. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. Vous avez dit ça? Mais je les ai assurés que le médecin me répondait de ta guérison. Charmant! Mais dame, qu'est-ce que tu aurais dit à ma place? Que j'aurais dit? Mais j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. Alors? Parfaitement! Parce que je n'y ai jamais cru un instant, vous savez, à votre conseil d'administration. Enfin, tu nous as bien vus, cependant. Je vous ai vus. Je vous ai vus entre hommes, là, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ces salles d'assemblée, c'est si bien agencé. On doit être organisé pour éviter les surprises. Oh. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de faire filer les femmes? Bah, cher ami, je t'assure que le conseil d'administration que je vais faire du Nord a autre chose à faire que de se réunir pour folichonner avec des demoiselles. On vient pour causer du chemin de fer, vous allez me faire croire ça. Madame... Allons donc! Il est fait, votre chemin de fer, il n'y a plus besoin d'en parler. Discuter avec une femme, elles ont ses raisonnements. Ça, à qui en as-tu? De quel droit me soupçonnes-tu? T'as jamais fourni un motif de dire que je t'ai trompé? Toi, non. Mais lui! Ah ben lui, toujours ton robinot. Parce que c'est ma faute, moi, si ton premier mari t'a trompé. Ah non, c'est bien la mienne.
Si j'avais été plus clairvoyante. Aussi, est-ce pour ça que je prends mes précautions maintenant. Misérable! Quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie et que je n'ai vu que du feu. Regarde-le avec son air de smoguenoise. Mais tu as assis ton nom ridicule! C'est ça, prends-t'en à lui! Ah, tu te croyais très fort parce que tu avais une femme aveugle? Oh, mais tu peux rien pour attendre, va! Ah, tu m'as trompé! Ah, tu as eu des maîtresses! Ça! Et moi aussi, je te tromperai! Moi aussi, j'aurai des amants! Hein? Et tu la connaîtras! La peine du talion! Et là, là, Angèle, tu te trompes! Tu oublies que tu as changé de raison sociale! Il est liquidé, numéro un! C'est vrai! L'indignation! Oui, mais il faudrait pas qu'elle aille trop loin, l'indignation, parce que c'est pas lui, c'est moi que tu ferais les choses. Et c'est pas une raison, parce qu'il a été banqueroutier pour qu'on me mette en faillite. Et aussi, c'est ce portrait. Chaque fois que je le regarde, j'ai la colère qui me monte au cerveau. Eh ben, on va aller au grenier si c'est ça. Pourquoi le gardes-tu? Ah, parce qu'il est de Bona. Si ce n'était que pour les traits de feu Robineau, ben, il y a longtemps. Mais un Bona, même de son mari, ça se garde. C'est décoratif. Je te dis pas. Mais enfin, si ton caractère doit s'en ressentir, si la paix du ménage doit en être menacée. Tiens, veux-tu que je demande à Bona de le retoucher? De le modifier? Il en fera un seigneur du Moyen-Âge? Le temps efface bien des choses, et ben ça l'éloignera. Non, j'entends le garder comme ça. Ah. Les bons que je conserve devant les yeux, cet échantillon de la fidélité conjugale, quand ce ne serait que pour m'apprendre à me méfier de toi. De moi? Mais pourquoi, mon Dieu? Parce que tu es mon mari. Bon, voilà une raison. Et c'est la meilleure! Regarde ce portrait-là pour me dire. Souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles. Il n'y a pas à récriminer, c'est inhérent à la fonction. Voilà ce que dit Robineau du fond de sa toile. Parfaitement! Et là, juste en plus, regarde, je t'ai bien trompé, tu t'en es jamais aperçu. Mais mets-toi bien dans la tête que tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Tous tes maris? Ne te fie pas aux apparences. Plus les maris ont de choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver, les apparences. N'en crois ni tes yeux ni tes oreilles. Cherche. Et puis, surveille. Si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché. Et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose. Mais c'est un homme fou! Voilà le langage qui me tient, monsieur Robineau, par Bona. J'ai flanqué le feu à ce portrait, j'ai flanqué le feu! Eh ben, j'ai pu être ridicule une fois. Je ne le serai pas deux. Du moins, ce ne sera pas de ma faute. Mais sacristi! Parce que ton monsieur Robineau! Il ne s'agit plus de monsieur Robineau. Il a quitté ce monde pour un autre. Si tu pouvais demander l'extradition. Il est bien où il est. Mais halte là, si lui n'est plus toi, tu es encore là. C'est pas un reproche. Je ne plaisante pas. Eh bien, j'entends que la leçon me serve. À quelque chose, malheur est bon. C'est pourquoi quand je t'ai épousée, je me suis fait une règle de conduite. Je me suis dit, autant tu as été douce et confiante avec feu Robineau, autant tu seras sévère et méfiante avec feu Ribadier. Comment feu Ribadier? Non, pardon, Ribadier. À la bonne heure. Matin, tu avances, toi. Tu seras bien fort si tu arrives à me tromper. Parbleu, t'es toujours sur mes talons, tu me files. Je te file. C'est-à-dire que je connais tous vos moyens, toutes vos craques. Oh, tu connais toutes nos craques. Parfaitement. Je le recueille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nomenclature des fredaines de mon premier mari. Ah? Celle qu'il a faite de son vivant. Naturellement. Le queue. Il a eu le cynisme de les consigner dans ce carnet afin que la postérité n'en ignorât sans doute. Il ne se contentait pas d'accomplir, il fallait qu'il enregistrât. Coureur. Père cyniste! Putain, ça m'a édifié sur sa conduite. Aussi est-il bête d'avoir écrit tout ça? Il y a des choses qu'on fait et qu'on n'écrit pas. C'est ton principe à toi? Ben, dame. Non. Lui, il en a fait un ouvrage avec une table des matières et un titre. Il y a même un titre. Ah, il y a... Oui, mes bateaux. Mes bateaux. Guide pratique pour les maris sans imagination. Et voilà, ces bateaux, il y en a 365. Matin, mais c'est une flotte. 365. Autant qu'il y a de jours dans l'année. Ce qui est réparti en 8 ans que notre ménage a duré nous donne un bateau tous les 8 jours. Comme la transatlantique. Un courrier hebdomadaire. Et dire que ça se passait pour ainsi dire sous mes yeux et que je me suis aperçu de rien. Tu n'avais peut-être pas vu le port. Qu'importe! Grâce à ce carnet, j'ai désormais la clé de tous vos stratagèmes. On ne peut plus m'abuser de sornettes à présent. J'ai le recueil. Ah, tu as le recueil. Parfaitement. Tiens, si tu veux voir, ton conseil d'administration, ça y est. Administration. Thank you.
C'est dans les A. Parfaitement. Conseil des apostrophes, voilà. Quand je vais faire une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que je vais à une réunion de mon conseil d'administration. Et ben après? Eh ben, il paraît que quand on dit qu'on va à une réunion de son conseil d'administration, ça veut dire qu'on va faire une partie en joyeuse compagnie. Je le connais comme mon carnet. Oh, c'est pour ça que... Mais t'es absurde! Est-ce qu'il a le sens commun, ce livre-là? Est-ce qu'il a le sens commun? N'empêche que je finirai bien par te surprendre. Ah, tiens, laisse-moi tranquille quand tu commences à déraisonner. Je déraisonne. Je déraisonne. Parfaitement, tu déraisonnes. Réforme, si je déraisonne, tu verras si tu peux continuer à te conduire comme tu te conduis. Moi? Je saurai tout, tu m'entends tout. Parce que j'aime encore mieux une certitude. Quand je doute, tu m'exaspères. Ah tout. Et dire que je l'ai épousée parce que je voulais une femme confiante. La faute à cet imbécile de Robineau. Qui me disait tout le temps, ma femme, quelle femme confiante. Je me dis, où vas-tu, où as-tu été? Ah ben la voilà, la femme confiante. Est-ce que c'est une vie, ça? C'est insupportable pour un mari de se voir sans cesse épié et surveillé. Surtout au moment où il ébauche un roman. Ah, c'est elle. Voilà. Chêne, j'ai eu tort, je te demande pardon. Oui. À quoi ça sert de te pardonner? Tu recommences 5 minutes après, comme une enfant. Non, là tu verras, c'est sérieux. Je sais bien, tu me dis ça toutes les fois. Oui, mais les autres fois, je le pensais pas. Tandis que maintenant... Tu le penses peut-être, mais pas pour longtemps. Enfin. Si, si. Et pour te prouver mon repentir, tiens, voilà des lettres pour toi. Je ne veux même pas les lire. Oh, tu es bien bonne. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Monsieur Ribadier, cercle du tout Paris. Ben ça, comment les as-tu entre les mains? J'ai été les chercher à ton cercle. Comment? Tu es... J'ai dit au valet de pied qui m'a ouvert. Mon mari m'a chargé d'aller chercher ses lettres. Voulez-vous me les donner? Il me les a remises. Mais c'est trop fort, je les attraperai, moi, pour remettre comme ça mes lettres à n'importe qui. Merci pour n'importe qui. Une femme ne peut plus aller chercher les lettres de son mari, alors? Non. D'ailleurs, je te ferai remarquer que je ne les ai pas ouvertes, tes lettres. Oh, mon Dieu. Toi qui prétends toujours que je te file, si je te filais, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne les lis pas. Quoi? Des lettres. Ben, j'ai le temps.
pourquoi tu as le temps? Il y a donc quelque chose que tu ne veux pas me montrer. Qu'il faille que je sois partie pour que tu les ouvres. Oh, tu m'ennuies, mon Dieu, tu m'ennuies! La voilà! Elle vient de me demander pardon, la voilà! Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ces lettres? D'ailleurs, lis-les! Je vois pas pourquoi je te les cacherai! Hein? J'ai vu l'écriture, elles sont sans importance. Mon cher collègue, je n'ai pas oublié les 30 louis que je vous dois. Et si je vous écris, c'est que je tiens à m'acquitter. Là, c'est un collègue qui me rend 30 louis. Prêtez-moi donc 20 louis, cela fera une somme ronde et je vous rendrai au premier jour. Bah, plus souvent, par exemple. Je te félicite de la façon dont tu comprends les placements. Hein. Oh, oh. Celle-ci, d'une écriture plus fine. Avec cette devise quelque peu arrogante. Qui me prend mes fidèles? Qui me prend mes fidèles? Il y a ça? Que ce n'est pas une femme. Je comprends pas. Monsieur. Ah ben elle est jolie la femme. Monsieur, devant le succès obtenu par notre nouvelle invention, la mignonnette, nous nous faisons un devoir de vous recommander ce gracieux appareil hydraulique. C'est à juste titre qu'il a pu adopter comme devise « Qui me prend mes fidèles ?» Son emploi facile, son prix modique, autant que sa forme élégante, qui enfantait véritable bibelot de luxe, affirme d'une façon éclatante sa supériorité sur l'appareil du docteur Aiguisier, jusqu'il sortait. Ben là, voilà la femme. C'est celle-ci pour me détourner de mes devoirs. Est-ce que je pouvais supposer, moi, qu'une pareille devise « Qui me prend mes fidèles ?» ça s'applique à ça? Mais voilà comment il en est de tout. Tu commences par m'accuser, et après tu t'aperçois que tes soupçons n'ont pas de raison d'être. C'est agaçant, la fin. C'est tout ce que je fais, on trouve un sens caché. Que je ne puisse même plus dire à la cuisinière « Tiens, je voudrais bien manger du veau ce soir » sans qu'on s'imagine que ça signifie que je veux passer la nuit avec elle. C'est insupportable. Eh bien, je te déclare, moi, qu'avec ce système-là, tu me feras quitter la maison, si tu veux savoir. Tu quitterais la maison? Parfaitement. J'ai ma famille en province. Je m'en irai. Je retournerai chez ma mère. Eugène, tu ferais pas ça? Si. Eugène, je te demande pardon. Là, encore. J'ai eu tort de te soupçonner. Ah oui. J'aurais dû réfléchir, attendre avant de t'accuser. Tu en conviens. Mais tu m'as rendu défiant, c'est l'exemple de Robineau que j'ai là devant les yeux. Mais comprends donc une chose, cher ami, c'est que tu fais absolument fausse route avec ton carnet posthume. Car en admettant même que j'ai l'idée de te tromper, tu crois que j'irai me servir le cahier et ficelle? Non, accorde-moi au moins que je sois original. Je ne suis pas vaudevilliste, moi. J'ai pas besoin des idées des autres pour faire les pièces nouvelles. Sais-tu, ne fais pas de pièces du tout, tu es ingénieur. Ne fais pas comme Ingres, n'essaye pas de jouer du violon. Oui, bien alors toi, ne te persuade pas tout le temps que j'en joue. C'est vrai, tu finirais par me donner le goût de la musique. Voyons, Eugène. Dans tout ça, il y a beaucoup de ta faute. Moi? Si je sentais que tu m'aimais bien, j'aurais peut-être pas de ces idées. Quoi, je t'aime pas, moi? Non, pas comme au premier temps. Si tu crois qu'une femme s'y trompe. Il y a des jours, tu me dis même pas bonsoir. Autrefois, tu me le disais plutôt deux fois qu'une. Non, là, tu m'aimes plus autant. Mais si, mais si. Seulement ces discussions continuelles, qu'est-ce que tu veux? Ça fatigue la tendresse. C'est logique, quoi. Toute expansion, de quelque ordre qu'elle soit, exige une dépense nerveuse. Et bien comme nous n'avons qu'un certain capital quotidien, si nous le dépensons d'un côté, nous ne le dépensons pas de l'autre. Tu me fais une scène, mon budget y passe, je me repose. Il faut croire que je suis plus riche que toi. C'est possible. Et moi, je suis comme un monsieur qui n'aurait que 20 francs à dépenser par jour. S'il achète dans sa journée pour 20 francs de poils à gratter, il aura beau faire, il n'aura plus le sou quand il voudra se payer à dîner. Il pourra aller dîner en ville. Ah oui. Mais je ne peux pas manquer à dîner en ville. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux que tu ne dînes qu'avec moi. Oui, bien arrange-toi pour ne pas m'enlever l'appétit. Oh, c'est entendu, oh, là, je t'embrasse. Là, tu m'embrasses. Et ne recommençons plus. Promis. Et vous croyez que ça va la corriger? Pas un instant. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Rien, monsieur.
monsieur. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez, Sophie? C'est une dépêche pour monsieur, madame. Eh bien, donnez-la à monsieur. Comme madame a ordonné. C'est bien, j'ai changé d'avis. Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépêche pour monsieur. Pour moi? Une dépêche pour moi? Égyptien en baisse. C'est rien. Ouf, j'ai eu peur. Ça, mademoiselle, comment se fait-il que vous remettiez à madame des dépêches qui me sont adressées? C'est que monsieur, je ne sais comment dire à monsieur, j'ai promis à madame. Madame m'a ordonné. Parfait. Elle vous a peut-être donné de l'argent aussi pour ça. Monsieur sait. Quoi, c'est vrai? Sans ça, monsieur. Combien, madame, vous a-t-elle donné? 20 francs. Mais vous n'avez pas honte d'agir de la sorte? Dans quelle maison a-t-on vu une domestique recevoir de l'argent? C'est honteux! Tenez, voilà 30 francs. Vous rendrez à madame ses 20 francs, et à l'avenir, vous remettrez tout à moi-même. Et autant que possible, quand madame ne sera pas là. Ah, mais comme ça, monsieur, très bien. C'est bien, allez. C'est entendu, monsieur. Et si même monsieur voulait aller jusqu'à 40 francs, je lui remettrai les lettres de madame. Voulez-vous? On sonne. Ben, allez ouvrir. Oh, ben oui, monsieur. Si c'est pour moi, vous prierez d'attendre. J'ai une dépêche à écrire. Ben, allez. C'est encore heureux que j'ai surpris le complot à temps. Il aurait pu tomber telle ou telle lettre entre les mains de ma femme. Ah, c'est bien heureux. Entrez, monsieur. Dieu! Quelle émotion! C'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Allez prévenir votre maîtresse. Aristide Tomereux. Ou plutôt non, annoncez un ami, retour de Batavia. De Batavia? Ça doit être loin, ça. C'est de l'autre côté de l'eau. C'est bien ce que je disais. Mais dites-moi, ma fille, alors c'est vrai la nouvelle qui est venue jusqu'à moi? Quoi donc, monsieur? Il n'est plus ce pauvre Robineau. Monsieur Robineau, voilà 2 ans. Oui, 2 ans, et l'on dit que le temps efface le chagrin. Pauvre ami, voilà 2 ans, et je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Depuis un quart d'heure. En descendant du chemin de fer, j'ai couru à l'ancienne demeure des Robineau. Là, on m'a appris la perte de mon ami. Un ami que j'aimais comme un frère. J'ai demandé l'adresse de sa veuve et me voilà. Oh, ça a été un coup pour moi. Ah, et ici alors? Ici, au bien. On est habitué. Le voilà, tel que je l'ai connu. C'est bien lui, embelli, mais bien lui. Je vais prévenir madame. Oui, allez. Mon pauvre ami, je vais donc pouvoir épouser ta femme maintenant. Je vais pouvoir prendre ta place sans te faire une saleté. J'aurais pu l'occuper de ton vivant peut-être, mais j'ai préféré m'expatrier plutôt que de m'exposer à la tentation de tromper un ami que j'aimais comme un frère. Car je t'aimais
de toute la force de mon affection. Tu m'avais rendu un de ces services qui vous attachent pour la vie. J'allais me marier, une femme charmante qui m'avait offert sa main d'elle-même. J'allais convoler, tu es venu à moi et tu m'as dit « Ne l'épouse pas, je flaire que tu le regretterais. » Je ne l'ai pas épousée, et 3 mois après, elle était mère. Ce n'était pas par amour qu'elle m'avait offert sa main. Tu me suis toujours gré du service que tu m'avais rendu. Dès ce jour, je fus chez moi, chez toi. Tout ce qui est à moi est à toi, m'as-tu dit. Tout, excepté ma femme. Pourquoi juste accepter sa femme? Hélas, ça ne devait pas manquer. Je peux bien te l'avouer maintenant. J'en devins follement amoureux, brusquement, sans savoir comment, par une journée d'orage. Il faisait chaud, elle avait une chenille qui se promenait sur son cou. Elle me dit « Oh, enlevez-moi cette bête !» Je m'approchais poliment, sans penser, mais son cou était là, avec des cheveux. Un cou qui faisait papilloter mes yeux, un cou qui me paraissait long d'une lieue dans le vague. Alors, j'ai vu blond, un baiser m'a échappé. Il paraît, je ne me suis pas rendu compte. J'entendis la voix de notre Angèle dans un rêve. Oh, c'est bien mal ce que nous faisons là, ce que nous faisons là, ce que nous faisons là, ce que nous faisons là. Ah, ça m'a fait peur. Alors, je me suis sauvé comme un fou. Mon cœur battait. J'ai pris un cachet d'antipyrine tout de suite pour envisager la situation nettement. Et le lendemain, j'ai accepté un poste de consul à Batavia. Voilà, Romino, ce que j'ai vu pour toi. Je suis parti sans regarder en arrière jusqu'à Batavia parce que j'étais un vrai ami pour toi. Je me disais, tu n'as pas le droit de songer à sa femme tant qu'il est là. Mais ne te désespère pas, Robineau fait une noce carabinée, il y laissera sa peau. Alors tu pourras reparaître, épouser sa femme sans remords. Ce n'est plus le bien d'un ami que tu déroberas, c'est sa succession que tu recueilleras. Et ça se fait dans les familles les plus unies. J'ai attendu. Tu n'es plus. Et me voilà. Parce que je vous aimais. Disez-vous. J'avais pas le droit de vous le dire. Oh, Angèle, comme c'est peu de choses, la vie. Pourquoi me dites-vous ça? Par quelles épreuves il faut passer. Le voilà, ce pauvre ami. Pauvre femme, hein. Avec quel culte vous gardez son image. Hein? Robineau! Ah bien, parlons-en, lui. C'est un joli coco. Hein? Vous avez cru comme moi que c'était un mari fidèle, un époux modèle. Jamais! Eh bien, il m'a trompé, trompé toute sa vie. Eh bien, je vous conseille de le pleurer. Angèle, ce que vous me dites là me fait de la peine et en même temps me ravit de joie. Pourquoi? Parce que, s'il en est ainsi, je puis dire que je n'aurai pas à souffrir de son souvenir. Parce que, si jamais vous faites une comparaison, elle ne pourra être qu'à mon avantage. Comment? Mais à quel propos? À quel propos? Mais à ce propos qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous. Que je vous aime et que je viens vous dire, épousons-nous. Oh mon pauvre ami! Qu'est-ce qu'il y a? Vous épousez-vous? Mais il n'y a cela qu'un tout petit obstacle! Je le franchirai! Mon mari? Hein? Ben je suis mariée, mon pauvre ami! Allons donc, c'est une épreuve, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas fait ça! Je l'ai fait! Mais je n'en crois pas un mot! Eh bien, vous le demanderez à mon mari lui-même, car le voici! Ah ça, qui est donc au salon? Limadier! Tombe-moi! Toi, Paris! Limadier! Ah, qu'est-ce que tu as? Mais rien, rien! Et tu vas bien depuis l'autre fois? L'autre fois, il appelle ça l'autre fois, il y a 3 ans que je ne l'ai pas vu. Au fait, tu as su que j'étais marié? Voici ma femme, laisse-moi te présenter. Oh, c'est inutile, monsieur Tambour n'est pas un inconnu pour moi. Nous avions quelquefois l'occasion de le voir jadis. Ah oui, sous le premier régime. Oui, du temps de ce pauvre Robineau. Mais voilà ce pauvre ami, qui lui crut tout de même un si bon vivant. Ah, mes bons amis. Ouais, ouais. Lui, si plein de santé, quand on pense que... Je ne suis pas dans la note. Et te voilà définitivement à Paris. Tu ne retournes plus à Batavia, je suppose. Oh, si. Comment si? En voilà une idée. J'ai éprouvé en arrivant une telle déception que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'en aller. Des déceptions? Ah, en voilà des raisons. Quelle histoire de femme, une infidèle qui t'aura oublié. Oh, elle n'a jamais rien été pour moi. Eh ben alors, il n'y a rien de perdu. Attends, tonton viendra, je te le promets. Ça ne dépend pas de toi. C'est dommage, je te serais fait. Brave ami, va. Les maris ont quelquefois la propos malheureux. En attendant, nous gardons.
Où sont tes bagages? Mes bagages? Mais à l'hôtel de France et des bars où je suis descendu. C'est bien, je vais les envoyer prendre et nous allons t'installer ici. Hein? J'ai tout un pavillon à ta disposition dans le jardin. Mais je ne souffrirai pas. Laisse donc. Il est fou de l'installer. Mon ami, tu n'y songes pas, il n'est pas habitable. Mais si, pour lui, ça n'a pas d'importance. Non, voilà ce qu'il a, il est plein de cancre là. Ah. C'est ce qui m'empêche de le louer. Parce que pour des étrangers, n'est-ce pas? Mais pour un ami. C'est tout ce qu'il faut. Ça t'est bien égal, toi. C'est pas les pauvres cancre là parisiens qui font reculer à l'homme qui vient de Batavia. Oh là là, mais à Batavia, quand nous avons des cancre là, ce sont des scorpions. Des scorpions? Qui ont même 30 cm de long, s'il vous plaît. Ainsi, ils voient, ils font chambre commune avec des scorpions de 30 cm. Imagines-tu des langoustes se promenant dans ta chambre, hein. Quelle horreur! Mais c'est qu'il va se faire entourer de bêtes à bon Dieu dans ce pavillon. Mais je t'assure, ce serait indiscret. Du tout. Je ne peux pas songer à louer tant qu'il sera dans cet état. Aussi, c'est de bon cœur. Je vais donner les ordres. Je t'assure, Eugène. Si. Je n'ose vraiment pas accepter l'offre de Ribadier. Vous avez... Vous avez raison, je vous prie même de ne pas l'accepter. Pourquoi? Parce que... Après tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vos aveux à vos couverts là devant mon mari. Après ce qui s'est passé entre nous, enfin... Mais c'est jamais rien passé. Et justement, ce serait passé quelque chose. Ce qui est fait, il n'y aurait plus qu'à laisser courir. Et puisqu'il n'y a rien, que nous avons pu sortir intacts l'un et l'autre d'un moment de défaillance. Je fais allusion au jour d'orage, vous savez. Ah oui, j'ai vu blond. Oh, ce jour-là, la femme est pleine de contradictions. J'aimais pourtant Robineau. Qu'alors? Mais l'égarement, heureusement, vous avez déserté au moment psychologique. J'aimais Robineau comme un frère. C'est votre timidité qui m'a sauvée. Que de regrets! Comme si maintenant il est inutile de continuer à vivre l'un près de l'autre! De ce contact de chaque jour, il ne pourrait résulter qu'une contrainte pour moi, qu'une exaspération de vos sentiments pour vous! Ainsi, parce que vous avez épousé Ribadier au lieu de m'attendre, quand vous saviez que je vous aimais, il faut que je m'éloigne, que je m'exile! Non seulement la femme ne peut être à moi, mais il m'est même interdit de la voir! C'est pour votre bien! Dites que c'est pour le bien de Ribadier! Voilà l'homme à qui je suis obligé de me sacrifier! Mais enfin, vous l'aimiez donc? Que vous l'avez épousé? Pas plus que ça. Mais alors pourquoi? Je ne pouvais pas rester veuve. C'est une position fausse. Une période de transition. Ribadier me paraissait amoureux. Ah. Ajoutez à cela son nom, Ribadier. Ah. Bah, si c'est pour s'appeler Ribadier. Ça y est pour beaucoup. Ribadier, Robineau, même initial, pas besoin de faire démarquer mon linge. Ni mon argenterie. C'est ça! Un mariage d'économie! Vous connaissez le mariage d'amour, le mariage de raison, mais ce mariage-là, non. Qu'on épouse un homme parce qu'il a de jolies moustaches ou qu'il porte bien la toilette, je le comprends encore. Mais que ce soit pour ne pas démarquer son linge, ah non, ça me dépasse. Mais voyons, calmez-vous. Mais j'aurais payé le démarquage, moi. J'aurais payé le démarquage. Puisque je l'aime maintenant. Puisque je l'aime. Tout est pour le mieux. Vous l'aimez? C'est à moi que vous venez le dire. Elle n'est pas contente de la blessure dont elle est la cause. Il faut encore qu'elle y enfonce ses ongles. Vous voyez bien qu'il faut que vous partiez. Vous avez raison, j'arrive aujourd'hui de Batavia. Eh bien, j'y retournerai. Quand? Demain matin. Bien. Quel voyage pour venir passer une soirée à Paris. Quant à mon mari, vous saurez trouver une raison pour expliquer votre départ précipité. Eh bien, maintenant, adieu, mon ami. Adieu pour toujours. Adieu. Angèle, au moins promettez-moi une chose. Personne n'est éternel ici-bas. Ribadier comme moi, nous pouvons disparaître d'un jour à l'autre. Si ce malheur nous arrivait à l'un ou à l'autre, promettez-moi que vous m'écrirez immédiatement. Venez, je suis libre. Taisez-vous, voulez-vous bien ne pas parler de choses pareilles? Ouais, mais enfin, j'y compte, n'est-ce pas? Adieu. Adieu? Elle ne me dit même pas au revoir. Elle a raison. Il faut que je regagne au plus vite Batavia. Que je retourne à mes scorpions.
Je n'ai plus rien à espérer ici. Elle aime son mari et elle lui sera fidèle. Tiens, ma femme n'est plus là. Non, elle vient de me quitter. Bah ben ça y est, j'ai donné ordre qu'on arrange le pavillon. Non, vois-tu, c'est inutile. Laisse-moi m'en aller. Allons, voyons, je croyais que c'était entendu. Tu n'as pas le désespoir gai, toi. Non, que veux-tu? Allons, c'est bon. Nous nous chargerons de t'égayer. Rien ne peut plus m'égayer. Oh, à Paris, peux-tu dire ça? Paris me devient odieux. Est-ce que je ne suis pas un joyeux compagnon? Si, mais... Ma femme n'est-elle pas charmante? Bah, y a rien à faire! Qu'est-ce que tu dis? Hein? Bah, y a rien à faire pour moi à Paris! Sapristi, je ne pensais pas que je parlais au mari. Je te dis que je veux m'en aller, là. Je veux retourner à Batavia. Oh, et puis au diable! Tu m'embêtes? Tu resteras là! On n'est pas stupide comme ça pour une femme! Si tu crois que c'est un moyen d'arriver à tes fins, au lieu de te désespérer, attaque donc, marche! Elle viendra pas te chercher dans ton coin! Elle ne viendra pas me chercher du tout. C'est bien ce que je dis! Tiens, mais tu connais rien aux femmes, toi. Veux-tu me donner ta procuration? Je n'ai rien pour te montrer. Tu verras comme je mène une campagne. Je m'abouche avec la dame, je l'étudie, je la tâte. Oh! Ne dis pas que tu la tâteras! Je tâte le terrain, qu'est-ce que tu vas comprendre? Je trouve le défaut de la cuirasse et je t'enlève ça tambour battant. Bah, tais-toi, tiens! Tais-toi! Dis tout de suite que tu te méfies de moi, que tu as peur que je te souffle ta dulcinée. Moi? Toi? Je t'assure que t'es pas une coutume chez moi. Il y a 6 ans que je t'ai supplanté auprès de Mimi Marjolin, c'est vrai. Mais enfin, Mimi Marjolin, n'est-ce pas? Une farceuse. Tu m'as supplanté, toi? Comment, tu ne le savais pas? Elle ne me l'a jamais dit. Ah, je croyais. Oh, mais dis donc, je la trouve mauvaise. Bah, qu'est-ce que ça te fait, puisque tu n'es plus avec elle? Tiens, ça m'est désagréable. Qu'est-ce que tu dirais si, après avoir bu un bon verre de quelque chose, on venait te dire, eh bien, maintenant, je peux bien vous l'avouer, le domestique avait craché dedans? On n'a pas avoir fini de boire, c'est dégoûtant. Eh ben dis donc, je te remercie de ta comparaison. Mais non, mais c'est pour dire! Ah, tu marchais sur mes plates-bandes, toi? Ah bah si je peux, va. Alors c'est entendu, tu me donnes ta procuration? Mais tu es fou! Tu es marié d'abord! Quand on est marié, on s'occupe de son ménage et de rien d'autre! Napoléon dictait à 2 secrétaires à la fois. Mais tu n'es pas Napoléon, toi! Ça, Madame Ribadier, elle n'est pas jalouse? Pas jalouse? Elle? Dieu saint, vous l'entendez? Mais elle aurait inventé la jalousie! Ah non, elle est bien gentille, mais elle me rend la vie parfois bien insupportable. Alors tu n'es pas heureux? Ma foi, pas toujours. Pas heureux. Il n'est pas heureux. C'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dire qu'autrefois, elle était si confiante, si crédule. Enfin, puisque tu allais chez eux autrefois, Robineau a dû te le dire. Souvent. Dieu sait qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin, quand je dis qu'il lui en a fait voir, il lui en a fait, et il ne les lui a pas fait voir. Ben oui, mais il a fallu que cet imbécile de Robineau... Ne dis pas imbécile, je l'aimais comme un frère. Soit, tu n'es pas imbécile, j'irai ton frère. C'est ça. Il a fallu que ton frère, Robineau, laissa dans ses papiers un inventaire de tous les trucs qu'il employait pour tromper sa femme. Alors? Eh ben alors, ça a ouvert les yeux d'Angèle sur le compte de Robineau et tous les maris en général. Et ce qui est le plus terrible, c'est que si elle découvrait jamais quelque chose, je la connais, c'est une femme vindicative, elle ne me le pardonnerait pas. Tiens, tiens. Elle serait même capable de m'infliger la peine du talion. Et il me dit tout ça, moi. Oui, tu ne peux pas la tromper. J'irai pas jusqu'à dire ça. Mais ce qu'il me faut de précaution, justement, en ce moment-ci, j'ai un petit roman en train. Viens, viens. La femme d'un négociant en vin, une brune, charmante. Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme, puisqu'elle est initiée à tous les trucs? Je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. Mais encore? Eh ben voilà, j'ai mon système, qui ne ressemble en rien au vieux truc éventé de Robineau. Il avait des moyens d'amateur. Mon moyen, moi, relève de la science. Comprends pas. À ma prochaine expérience, je te convoquerai. Avec plaisir. Mais pour ça, il faut que tu restes, que tu ne retournes pas tout de suite à Batavia. Oh. C'est convenu. À la bonne. Ah oui, je reste, je promets que je reste. Et Angèle n'aura rien à me reprocher, c'est son mari qui me fait violence. Le pavillon est prêt! Bien, c'est prêt, si tu veux voir tes appartements. Volontiers, j'en profiterai pour me verser un peu d'eau sur les mains. Sophie va te conduire. Oui, monsieur. Voici une dépêche qui est arrivée au cercle pour monsieur et qu'un chasseur vient d'apporter. Merci. Je ferai remarquer à monsieur que je la remets à lui-même. Je ne m'en serais pas douté si vous ne me l'aviez pas dit.
monsieur veut venir. À tout à l'heure. Oui. Voyons voir. Thérèse Savinet, c'est d'elle. Tout de même, si cette dépêche avait été remise à ma femme. On côtoie tout le temps des précipices dans la vie. Bébé. Bébé, c'est moi. Bébé. Mon mari a été appelé brusquement en Bourgogne pour acheter une récolte sur pied. Ma soirée est libre. J'ai donné campo au domestique. Je t'attends à 9h. Sapristi, 9h. Il est 8h30. Il n'y a pas de temps à perdre. Ma femme, elle arrive bien. Je n'ai que le temps d'appliquer le grand moyen. Ton ami est parti. Oui, il a regagné le pavillon. Eh ben, tu ne me regardes pas. Tu m'en veux donc toujours. Moi non. Je sais très bien que tu ne me trompes pas. Regarde-moi donc dans les yeux. Là, les mains dans les mains. Est-ce que j'ai l'air d'un mari qui te trompe? Est-ce que je te regarderais comme ça si je te trompais? Tu ne vois donc pas que je t'aime? C'est vrai? Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime! Ça y est! Le système rimandé! C'est pas dans ton recueil, ça, mon vieux! Mon cher, je serai très bien là-bas! Tant mieux, je sors, tu descends avec moi? Moi, je... Ah, mon Dieu, Angèle, madame, ta femme! Fais pas attention. Ben, regarde donc, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est le système rimandé! Hein? Elle va dormir comme ça pendant mon absence. Quand je rentrerai, je lui souffle dessus. Elle s'éveille. Et ni vu ni connu. Oh, le gueux! Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je ferme à cause des domestiques. Puis, je baisse les lampes pour ne pas attirer l'attention de dehors. Alors, tu viens? Voilà, voilà. Tu vas fermer ici aussi? À plus forte raison. Diable, diable! Ah! Eh ben, où vas-tu? Je vais chercher ma canne que tu as déposée là! Eh ben, tu viens! Voilà, voilà! Après tout, lui n'est qu'un ami, je ne l'aime pas comme un frère. Sophie l'a pas oublié. Elle a laissé la fenêtre entrouverte. D'ailleurs, quand il est question d'amour, une femme n'oublie jamais. Il s'agit d'enjamber maintenant. Ouf. Ah, allons donc. Il y a quelque chose qui a craqué. Je suis accroché. Ah bien. J'ai une déchirure avec une bonne reprise. Presti, il fait noir ici. Tiens, pourtant la lampe n'est pas complètement éteinte. Ah, qu'est-ce que ça? J'ai touché quelque chose de chaud. Oh mon Dieu, c'est peut-être la chienne qui s'est glissée dans le salon. Ah bien, c'est encore heureux qu'il ne m'ait pas mordu pour m'apprendre à lui tirer les poils.
fenêtre est grande ouverte. Je ne l'avais qu'entrebâillée. Il y aura eu un coup de vent. Bon, que ce soit le vent ou pas le vent, l'heure est propice et les instants sont courts. Allons-y. Je voudrais dire que mon cœur ne bat pas, je mentirais. Il me semble que j'ai un mouvement de pendule dans la poitrine. Allons, voyons, pas de faiblesse. 9h, c'est l'heure du crime à Batavia. Chaud, chaud, là, Tomreux. Et voilà. Je joue les Roméo, moi. J'escalade les fenêtres. Enfin, je les escalade quand elles ne dépassent pas les rez-de-chaussée, parce qu'au-dessus, dame. Avec ça que Roméo se serait amusé si Juliette avait eu son balcon au 5e au-dessus de l'entresol. Ah, si les badis me voyaient. Ah, ça m'embêterait s'ils me voyaient, parce qu'il n'y a pas à dire, mon bonhomme, ça annonce que je fais là, ça s'appelle une crasse. Quand un ami vous donne l'hospitalité, il est mal vu d'aller lui prendre sa femme. C'est mal vu, je sais bien, mais ça se fait beaucoup. Non, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je l'aime et qu'elle est belle. Regardez-la, est-elle assez jolie? Un vrai Greuze, par Chaplin. Et je résisterai? Non. Non, il n'y a pas d'amis qui tiennent. Et Ribadier peut venir. Je lui dirai, ne m'accable pas avant de m'entendre. Un seul mot m'excusera. J'avais envie de ta femme. Angèle, mon Angèle. Oui, c'est moi. Ne me repoussez pas. Hein? Quoi? Ah, mais je suis bête, elle dort, elle ne m'entend pas. Angèle! Angèle! T'apprécies, elle dort comme un sapeur. Je ne peux pourtant pas lui faire ma déclaration sans la prévenir. Angèle! Non, il n'y a pas. À moins de tirer des coups de revolver, et encore, ça n'arriverait pas et ça ameuterait la maison en endommageant le plafond. Mais non, mais je suis bête, mais j'ai le moyen. Ribadier me l'a donné tout à l'heure. Il pense à tout, Ribadier. Je lui souffle dessus, elle s'éveille et ni vu ni connu. Et voilà le moyen, souffler. Eh bien, je vais faire comme il a dit. Je vais lui souffler sa femme. Angèle. Mon Angèle. Où suis-je? Oh mon Dieu, je me suis encore endormie. Angèle, mon Angèle. Oh, oh, j'y sais! Laissez-moi, ne me repoussez pas, je suis un grand coupable, mais au diable les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Vous êtes fou, que faites-vous? Où est mon mari? Ne vous inquiétez pas, votre mari est loin et le ciel nous protège. Loin? Où est-il allé? Chez le marchand de tabac, il n'avait plus de cigares. Au nom du ciel, relevez-vous, il peut revenir, le bureau de tabac est à côté. Non, nous avons le temps, il est allé à la régie. À côté, les cigares ne sont pas frais. Angèle, je vous en supplie, écoutez-moi. Perdez la tête, je n'écoute rien. Si, si, laissez-vous aller au sentiment que vous dictez votre cœur. N'écoutez pas les raisonnements surannés de votre conscience. Je vous aime, vous m'aimez. Pas. Si, si, vous m'aimez. Songez qu'autrefois sur ma timidité, vous me l'avez dit. Ah, mais mon cœur n'y était pour rien. Je ne vous aimais pas. C'était la chair seulement. Eh ben, je ne vous en demande pas plus, hein. Angèle, je vous aime. Laissez-moi attendre, je ne veux pas. Vous, la vie, l'autre de mon mari. Mais c'est infâme ce que vous faites là. Oui, c'est infâme et c'est humain. Angèle, mon Angèle. Ah, laissez-moi. Quelle monstrueuse pensée avez-vous donc? Ne vous êtes pas dit que vous commettiez là une horrible félonie? Ah si, je me le suis dit. Je me le suis dit 10 fois, 20 fois. Eh ben, à la 20e, j'y étais habitué. Ah, c'est affreux! Et vous qui m'avez donné votre parole, vous qui avez promis de retourner à Batavia! Oh, retourner à Batavia, me demande de retourner à Batavia? Quand j'ai de l'amour plein le cœur, quand je déborde, ah ben vous ne l'espérez pas. Eh bien non, je ne m'en irai pas à Batavia! Avez-vous dû me tenir en assez piètre estime quand j'y suis allé à Batavia? Au contraire, j'avais dit voilà un brave garçon. C'est ce que je dis, un bon imbécile, oui, oui. Oh, je sais ce que parler veut dire, mais du moins cette fois-ci j'avais une excuse. Robineau, que j'aimais comme un frère, je suis parti pour lui. Ce n'est pas une raison, madame, pour que je le fasse pour tous ses successeurs. Oh, ça m'a bien réussi d'y aller là-bas. Ça a permis aux malins de profiter de mon absence pour s'emparer de la place. Et quand je
suis revenu, elle était prise, la place. Vous étiez remarié pour ne pas démarquer votre linge. Ah bon, voyons, voyons. Vous saviez que je vous aimais, vous deviez être à moi. C'est mon bien qu'il m'a pris. Amoureux ? Eh bien, je le reveux, mon bien, à présent. Je le reveux. Je ne sais pas si le droit est pour moi. Je m'en fiche. La loi peut me condamner. C'est qu'une chose, c'est qu'on m'a lésé. Que je suis spolié. Et que je le reprends, ce qui m'appartient. Amoureux ! Je t'aime. Je te dis que je t'aime. M'entends-tu ? Mon cœur déborde et des flots de poésie me montent au cerveau. Je me sens poète. Vous ? Poète. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez ? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. Mais c'est de Musset. Ah, mais je n'ai pas dit que ce fut de moi, c'est vrai. Ah bon ? Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Dites-moi que vous m'aimez ! Taïda ! Oui ! Mais à une condition. Vous voulez mon amour ? Oui. Eh bien, vous de le gagner. Comment est-il possible ? À ma vie, s'il le faut. Demandez-moi de me tuer devant vous, si vous devez m'appartenir après. Je ne vous en demande pas tant. Retournez à Batavia, voilà tout. Voilà tout, elle appelle cela voilà tout. Des continents, des mers, tout cet espace entre nous. Cela me donnera la mesure de votre amour. Je ne mesure pas mon amour au kilomètre. Tombreux ! Vous ne m'aimez pas ! Mais si, je vous aime ! C'est même pour ça que je ne veux pas m'en aller ! Vous ne pensez pas à ce que vous me demandez ? M'exiler là-bas, me forcer à aller me ronger aux 100 000 diables en attendant quoi ? Que mon tour arrive ? En être réduit à souhaiter la disparition d'un homme, d'un honnête homme. D'un homme qui, vous avez beau dire, est mon prochain, après tout. Eh bien non. Ma conscience se révolte à cette idée. Plutôt que d'attendre qu'il ne soit plus pour... Dieu ! J'aime mieux lui prendre sa femme tout de suite. Et qu'il vive ! Sans compter qu'on ne sait jamais ce que ça dure, un mari. Oh, mon pauvre Emmanuel ! Là, vous voyez, vous êtes émus. Mais est-ce que je n'ai pas raison, voyons ? Est-ce que cela ne sera pas bien plus charmant ainsi ? Nous nous arrangerons une bonne petite existence à nous trois. La vie calme, de ménage. Tout ça bien à sa commodité, naturellement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il en souffrit, le pauvre garçon. Et nous le cajolerons, nous le dorloterons. Ce sera le plus heureux des hommes. Nous le tromperons tous les deux et nous nous aimerons tous les trois. Ne sera-ce pas le paradis ? Vous êtes fou, mon ami. Que vous êtes drôle. Je ne comprends pas vos scrupules. Mais les femmes les plus honnêtes ont fait ça. Non. Parfaitement. Seulement, on ne l'a jamais su, voilà tout. Mais l'histoire fourmille de ces héroïnes qui avaient su concilier leurs devoirs avec leurs penchants. Mais même dans l'histoire sainte. Vous avez les principes religieux, vous ? Eh bien, l'histoire sainte est pleine de ces exemples. L'histoire sainte ? Ah non. Un exemple, dites-moi un. Mais... Mars et Vénus, tenez, sous le nez de Vulcan. Ah, il appelle ça de l'histoire sainte. Et puis nous perdons un temps précieux. Vous m'entretenez de paroles pour gagner du temps. Je vous dis que je vous aime. Que je vous aime. Ma passion s'exaspère. Laissez-vous, Tendreux, laissez-moi. Non, je ne te laisse pas et arrive si je voudrais. Oh, finissez où j'appelle. Fermez. Fermez aussi et pas de clé. Non. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une infamie. Tendreux, je vous ordonne de m'ouvrir. Non. Non? Ça, c'est trop fort. Oh, ouvrez, je vous dis. J'ai pas la clé. Hein? C'est votre mari. C'est votre mari qui vous a enfermé. Mon mari? Pourquoi? Ah, ça, c'est les secrets d'en haut. Eh bien, il me reste la fenêtre. Angèle, vous ne ferez pas ça. Oui. Non. Oh, Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon mari, chez le marchand de tabac? Angèle, mon Angèle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le timbre de la porte cochère. De coup, c'est mon mari. De coup, c'est son mari. Son mari qui revient, comme il a été vite. Nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais rien, oh mon Dieu, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il fait, non ? Il lutte contre la porte pour empêcher quelqu'un d'entrer. Ah bien, nous sommes bien ! Ah bien, nous sommes bien, hein ! Enfin, qu'est-ce que vous avez à courir comme ça ? Mais je ne cours pas, je ne cours pas ! J'envisage une situation ! Vous avez trop de façon d'envisager ! Qu'est-ce qu'il dira quand il la trouvera réveillée ? Lui qui l'avait si bien endormi, il comprendra tout. Oh, quelle idée ! Mais je vais l'endormir. Angèle ! Angèle, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez-moi bien dans les yeux. Qu'est-ce que vous êtes drôle comme ça ? Mais non, je ne suis pas drôle. Arrêtez de rire ! Regardez-moi ! Bien, après ? Vous ne sentez rien ? Si, si, je sens. Elle sent, elle sent. Oui, comme une odeur de cosmétique. Hein ? Mais non, ça, ce sont mes cheveux ! Je vous parle intérieurement, vous ne sentez rien ! Voulez-vous que je sente ?
Essayez, voyons, essayez. Mais essayez quoi? De sentir, allez donc. Oh, mais je ne peux pas, j'ai pas de fluide. Enfin, voulez-vous en venir? Angèle, asseyez-vous là. Quand votre mari entrera, faites semblant de dormir et ne bougez pas qu'il ne vienne lui-même vous réveiller. Hein, mais que signifie? Je vous dirai plus tard. Mais quoi qu'il en soit, pas un mot, pas un geste, rien. Je vous en supplie, il y va des conséquences les plus graves. Qu'est-ce que vous faites? Je rétablis la mise en scène. Et maintenant, je me sauve. Pas un mot, vous entendez? Pas un mot. Dormez! Je le veux! Dormez, mais il est fou, qu'est-ce qu'il a? Se passe ici quelque chose d'anormal. Mon mari. Et il n'est pas seul? Mais enfin, dormons, j'aurais peut-être comme cela la clé de cette énigme. Lui. Sapristi, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je vous tiens. C'est bien, attendez. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Angèle dort toujours, je suis tranquille. Ça, monsieur, me direz-vous ce que vous voulez, je ne vous connais pas. C'est bien, monsieur, ne criez pas! Je dois vous dire ce qui m'amène, mais d'abord, faites sortir, mademoiselle, votre fille. Où ça, ma fille? Là, c'est ma femme. Eh bien, faites sortir votre femme. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de nous. Vous pouvez parler sans crainte, monsieur. Ma femme dort, et quand elle est dans cet état, on pourrait tirer le canon à côté d'elle qu'elle ne l'entendrait pas. N'ayant pas de canon sur moi, je ne puis pas en faire l'expérience. Mais du moment que vous me l'assurez, monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Un mot vous dira tout. Je suis monsieur Savinet. Aïe. Savinet! Mais, monsieur, ça ne me dit rien du tout. À moi non plus. Ça ne vous dit rien. Alors, je vais être plus explicite. Monsieur, vous êtes l'amant de ma femme. Moi? Oui, vous. Le misérable! C'est vous qui étiez tout à l'heure chez madame Savinet quand je suis arrivé inopinément. Vous qui, en m'entendant, vous êtes revêtu à la hâte et vous êtes enfui par le salon tandis que j'entrais par le couloir. Mais pas assez vite cependant pour que je ne puisse me lancer sur vos traces. Caraille. Ah ça, monsieur, je ne sais ce que vous voulez dire. Si madame votre femme a un amant, ce n'est pas moi. Vous vous serez trompé de piste dans la rue. En vérité. Alors, monsieur, comment se fait-il que vous ayez mon chapeau tandis que j'ai le vôtre? Vous vous êtes trompé de chapeau dans l'antichambre, monsieur. Eh bien oui, là, trêve de mensonge. C'est moi qui étais chez madame Savinet. Allons donc, c'est ce que je voulais vous faire dire. Oh, je l'écrouverai. Ça, monsieur, vous voulez vous en venir? Où je veux en venir? Il demande où je veux en venir. Monsieur, vous m'avez couvert de ridicule. Oh, permettez. Si, je sais ce que je dis. Un mari trompé est toujours ridicule. Je ne sais pas si madame votre femme vous a mis en état de l'apprécier. Ah, pardon, monsieur? Oui, vous n'en savez rien, elle ne vous l'a pas dit. Eh bien, monsieur, je ne suis pas un homme d'épée, moi je suis marchand de vin. Mais retenez bien ceci, si jamais vous dites à qui que ce soit que vous êtes l'amant de ma femme, je vous tuerai. Hein? Parfaitement. Je ne tiens pas à me battre, moi. Non. En somme, pour qui se bat-on? C'est pour la société. Ah bah, du moment que la société n'est pas au courant. Ah, ça c'est assez juste. Donc, tout ce que je vous demande, c'est qu'on ne sache rien. Dans quelque temps, je divorcerai d'avec ma femme et personne ne se sera douté de la vérité. Non, je vous le répète, je suis marchand de vin. Et je ne veux pas d'un scandale qui me causerait le plus grand préjudice dans mes affaires et me déconsidérerait à Bercy. Oh, vraiment, ça vous... À Bercy? Ah là là. Ah mais vous les connaissez pas. Ah mais un marchand de vin qui serait soupçonné d'être... Tiendrait pas 8 jours. Oh, bon. Donc, monsieur, j'exige votre silence. Ma galanterie vous en répondait. Mais enfin, c'est bien simple, monsieur. Si jamais vous dites un mot, je vous tuerai. D'accord, monsieur, mais enfin, vous me dites toujours je vous tuerai. Pourquoi ne supposez-vous pas l'hypothèse contraire? Ah, non, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Ça ne s'en ira donc pas. Ce sont là nos prérogatives à nous autres maris offensés. Faut bien que nous en ayons quelques-unes. L'amant a le devoir de se laisser tuer s'il tient à montrer qu'il sait vivre. C'est ce qui me permet d'affirmer, sans être fort aux armes, que je vous tuerai. Permettez? Non, si on a qu'un qui est droit de piquer, c'est plus un duel. C'est une opération chirurgicale. Je le regrette, monsieur, mais c'est la règle. Merci. Il est bon, votre cognac. Vous trouvez? C'est du courvoisier. Très bon. Pas tout pur, cependant. Il y a de l'armagnac. Ah? Qu'est-ce que vous payez ça? 8 francs. 8 francs? Ce qu'ils doivent gagner. Elle dort toujours. Mais pour 6 francs, je me charge de vous avoir une fine champagne aussi bonne que ça. En vérité? Absolument. Vous voulez en essayer? Si elle ne vous convient pas, je la prends.
Il m'en reste justement quelques pièces, mais dépêchez-vous. Eh ben, je dis pas non. Je dois bien ça. Comment il va lui vendre du cognac à présent? Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Nous disons, monsieur? Ribadier. Ribadier. Et du reste, ma femme doit savoir votre nom, enfin, dis-moi, je suppose. Ribadier. Une pièce, fine champagne 65. Ce sera payable à votre choix, comptant avec 5% d'escompte ou à 90 jours sans escompte. Ben, je vous en prie, à votre commodité. On n'est pas plus aimable. Oh, il est épique. Voilà qui est fait. Alors, monsieur, c'est convenu. Parfaitement. Si vous dites un mot, je vous tue. Ah, pardon, j'y étais plus. C'est convenu. Toujours à vos ordres, monsieur. Mais pardon, je vous reconduis. Trop aimable. C'est une femme du musée Grévin, cette femme-là. Il est très joli, ce portrait. C'est un Rubens, c'est un de vos parents? Ça, c'est le mari de ma femme. Tiens, vous êtes deux. Comment, deux? Non, c'est le premier mari. Ah, c'est le... vous êtes tout le second? Bah, moi, j'aimerais pas ça. Et pourquoi donc ça? Bah, tiens, parce que pour le second, c'est un peu comme le dîner des domestiques, ça a déjà passé par la table des maîtres. Mon Dieu, monsieur, chacun dîne comme il peut. En tout cas, j'aime encore mieux être à ma place qu'à la sienne. Des goûts et des couleurs. Oh, voilà, un autre, oui. Elle est vraie. Alors, monsieur? Tenez, par ici. Parfaitement. Dites donc, elle a le sommeil, on lui demande une ordure, votre femme. Hein. Vous savez, si vous avez tort par hasard, un bon contact avec. J'aurais une Oh la canaille! Oh, je sais pas comment j'ai fait pour me contenir jusqu'à présent. Comment je n'ai pas étranglé 10 fois? Oh la canaille! Oh, ça me fait du bien de m'épancher. Le voilà, son marchand de tabac, hein. C'était la femme de cet imbécile qui lui vend du cognac. Il serait exécrable, son cognac. Évidemment, il profitera de la situation pour lui écouler ses alcools les plus avariés. Mais ça sera bien fait! Je le forcerai à l'avaler jusqu'à la dernière goutte, son cognac. Oh, tu vas voir de quel bois je me chauffe, mon bonhomme. Hein. Oui, allez! Au revoir, monsieur! Oui. Au revoir! Oui! Si vous dites un mot, je vous tuerai! Oh, le bon tu. Taraboudié, je vais la réveiller. Je vais t'en donner, moi, du Taraboudié. Ma femme. Ta femme, ouais. Éveillée, elle est éveillée. Ah ah, vous ne vous attendiez pas à me trouver là, à ce qui paraît. Non, si, mais comment t'es bien pu s'éveiller? Misérable, perfide. D'où viens-tu? Ose donc me dire d'où tu viens. D'où je viens? Tu veux savoir d'où je viens? Eh ben, tu mens. J'ai encore rien dit. Je veux dire, moi, d'où tu viens. Tu viens de chez ta maîtresse, Madame Savinet. Madame Savinet? Vous savez très bien de qui je veux parler, son mari sort d'ici. Quoi, le monsieur qui était là tout à l'heure? Oui, cet idiot. Oh. Ah, c'est très drôle. Et alors, tu crois que je suis l'amant de sa femme? Oh. Si je le crois. Ah non, ça c'est une trouvaille. C'est amusant. Tu n'en ris pas comme ça, t'as l'air d'un crétin. Merci. Eh ben alors, t'as pas compris tout de suite? Quoi? Elle a pas compris. La pauvre chérie. Ah ça, dis-moi donc, est-ce que tu vas nous jouer une comédie? Une comédie? Eh ben, justement, tu y es. C'est une comédie que nous répétons pour le cercle. Parce que l'homme que tu as vu tout à l'heure... Savinet, oui. Eh ben non, il ne s'appelle pas Savinet. Voilà ce qui te trompe. Il s'appelle... Balivo. Ah. Oui. C'est un membre de mon cercle. Et dans la pièce, il joue le rôle de Savinet, le mari trompé. Et moi, je fais l'amant. Je voulais pas. Mais le président m'a dit, si, si, il n'y a que vous qui ayez du physique. Vraiment? Alors, c'est toi, l'anti-Noïs du cercle? C'est moi, l'anti, comme tu dis. Ça donne une fière idée de la beauté des autres. C'était une pièce, cher ami. C'était une pièce. Et c'est donc ça, il me semblait aussi que par moments, c'était en vert. Tout le temps, cher ami, tout le temps, c'est en vert, superbe. Vous aurez là un gros succès. Il y a certaines scènes, c'est vécu. Je crois bien.
Je croyais pas que ça passait aussi facilement. La scène, par exemple, où le mari reçoit de l'amant une commande de cognac. Ah oui, très drôle. C'est le clou, ça. Nous y comptons beaucoup. Comment est-ce, donc? Hein? Quoi? Là? Oui. Dis-moi les vers. Les vers. Charles, tu veux que je te dise les vers? Eh bien, oui. C'est que je ne sais pas fabriquer de verre, moi. Eh bien, va. Voilà. Savinet s'avance et dit à... chose... L'amant. Comme tu as la mémoire des noms. Quelle fichue idée, je vais lui dire que c'était en verre. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Voilà, je cherche le fil, cher ami, tu comprends, des verres. Ah oui, Savinet se versant un verre de cognac et buvant. Il est très bon. Monsieur, votre excellent cognac, mais il n'est pas tout pur, il a de l'armagnac. Oui, en effet, je me rappelle, il a parlé de ça. N'est-ce pas? Bah, ma foi, cognac, armagnac, c'est pas trop bien. Continue. Voilà. Combien le payez-vous? Moi. Mais... 8 francs la bouteille. Savinet. C'est cher. Mais je pourrais, et qui vient de ma treille, vous offrir à 6 francs une excellente fine champagne. J'en ai justement encore 2 ou 3 pièces à ma campagne. Très joli. Très joli. Le dernier verre surtout. N'est-ce pas? Il est long. Ah oui, c'est un verre long. C'est parce que c'est la fin de la tirade. Je ne me reconnais pas, je fais des vers, je suis poète. Et quelle est ta réponse à son offre de cognac? Que voulais-tu que je lui répondisse? J'en ai pris un fût. Mais dis-moi, c'est pas en vers, ça? Si. Seulement, je te donnais l'idée générale, mais c'est en vers. Si j'en veux du cognac, à part bleu, je crois bien. Expédiément. Tout de suite une pièce, nom d'un chien. Charmant. De qui est cette belle pièce? De Rostand, cher ami. De Rostand, t'as pas reconnu la facture? Pas du tout. Ah, pourtant c'est reconnaissable. Oui, da. Ben si, c'est une pièce. Une pièce que vous répétez. C'est bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais où vas-tu? Nulle part. Ouf! Quelle affaire! Éveillée! Elle s'est réveillée! Mais comment? La papisserie est toute seule, ça ne lui est jamais arrivé! Quelqu'un s'en est permis! Oh, le crétin! Le misérable! Tu peux entrer? Ah! Mon ami! Son ami, il ne sait rien. Si tu savais ce qui m'arrive, ma femme qui a été réveillée pendant mon absence. Non. Si. Tu ne me ferais jamais croire ça. Et par qui, je te demande? Dieu. La fenêtre ouverte, c'est par là qu'il sera entré. Qui? Le polisson. Le polisson qui m'a réveillé ma femme. Je voudrais le tenir comme je te tiens. Le misérable. Et là, mais tu me fais mal. Et là, tu me fais mal. Ah, mais je te retrouverai. Et crois-moi qu'il va passer un mauvais quart d'heure.
Décidément. Je crois que je ferais bien de retourner à Batavia. Songe qu'à cause de lui, ma femme a tout entendu. J'ai été obligé de faire des verres. Tu vois ce que ça peut être, des verres faits par un ingénieur. Il y en avait trop courts, il y en avait trop longs. Ça faisait une compensation. C'est égal. On a raison de dire que tout homme a au fond de soi un poète qui sommeille. Permets, on n'a jamais dit un poète, on a dit un cochon. Tu crois? Oui, je savais bien que c'était quelque chose comme ça. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il me raconte. Je m'en souviendrai de celle-là. Monsieur votre fils. Moi? Oui, mais c'est pas mon fils. Vous n'allez pas me dire que c'est votre mari? Vous savez bête ce que vous dites là? Qu'est-ce qu'il a tout le temps de faire les enfants? Eh bien, si ce n'est pas votre fils, faites sortir ce quelconque. Oui, vous allez m'attendre un instant par là. Volontiers. Ça va être un tapeur, ça. Il vient pour lui emprunter de l'argent, ce quelconque. Eh bien, t'en fais vite, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, viens avec moi. Où ça? Chez ma femme. Ah non, je vous remercie, pas ce soir. Pardon, ce soir, ça presse. Ah ça, mais qu'est-ce que vous faites donc aux femmes, vous? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la mienne dort, monsieur, et je ne peux pas arriver à la réveiller. Hein? Je l'ai trouvée sous l'influence d'un sommeil invraisemblable, comme votre femme tout à l'heure. Sapristi. Et dans une tenue, ah, vous me permettrez de ne pas qualifier sa tenue? Bah ce sera moi, dans mon affolement, je l'aurais trop regardée, je l'ai endormie. Qu'est-ce que vous avez fait en la trouvant comme ça? Ce que j'ai fait, je l'ai regardée et j'ai dit c'est ma femme. Non, je vous demande pas ça. Vous n'avez pas essayé de la réveiller? Non, mais comment j'ai pas essayé? Voilà une demi-heure que je la secoue, sans parvenir à aucun résultat. Alors je me suis dit, il y a du rimadier là tout. Bon, j'ai dit rimadier tout court parce que vous n'étiez pas là. Oui, oui, ça m'est égal. Bon, venez avec moi! Bon, Dieu. Voilà, Angèle, à présent. Allez-vous-en, vous pouvez bien la réveiller vous-même. Mais comment? Chut, plus bas, donc plus bas. Mais comment? En lui prenant les mains et en soufflant dessus. En lui prenant les mains et en soufflant dessus, alors je vais lui souffler sur les mains. Ouf! Ah, mais non! Faut-il souffler chaud ou froid? Plus bas, donc il a la rage de crier! Faut-il souffler chaud ou froid? Chaud ou froid, ça fait rien! Plus bas, donc il a la rage de crier! Chut! Et maintenant, ouvrons! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? N'entendez donc pas. Moi, j'ai rien entendu. Tu sors donc? Ouais. Ben où vas-tu? Où je vais? À ton cercle, mon ami. Dire de ta part qu'on me réserve deux bonnes places pour ta représentation. Hein? Ben, tu n'y penses pas? D'abord, les femmes ne sont pas admises à la représentation. Oh putain, est-ce que ça va durer longtemps? Cette comédie que tu me joues depuis une heure! Plaît-il? Est-ce que tu t'imagines un instant que j'y ai cru, que je ne sais pas moi que tu viens de chez ta maîtresse? Moi? Écoute-moi! Je t'en donnais, moi, de maîtresse! Et d'abord, puisque c'est comme ça, dès ce soir, tout le monde saura que tu es là, mort! Malheureusement, tu ne feras pas ça! C'est ce que nous verrons! Mais tu veux me faire tuer, je t'en prie, songe aux conséquences! Quelles conséquences? Savinet vous tuera, et bien après, sa femme en sera quitte pour prendre un autre amant, voilà tout! Angèle, tu ne feras pas ça! Je me gênerai! Tu ne feras pas ça! Si je le ferai, si je le ferai, si je le ferai! Moi, je te dis que tu ne sortiras pas! Si je... Tu resteras là! Tu... Ah non, bon, je l'ai endormi sans le vouloir. Ma foi, tant pis, puisque ça y est. Je vais la laisser dormir comme ça 10 ans, 15 ans, avec son parapluie et son chapeau. Elle aura peut-être oublié à cette époque-là. Seulement, elle va me gêner beaucoup. Ou bien la ranger en haut dans une chambre. Mais non, non, c'est pas possible, c'est pas une solution, ça. Mais non, non! Oh, comment me tirer de là, maintenant?
mais dis donc, tu m'oublies là-dedans. Quelle idée! Arrive ici, toi! Moi? Oh! Ta femme qui redort! Oui, tiens, mets-toi là à cette table, nous allons jouer à l'écarté! Hein? À cette heure-ci, à propos de quoi? Il le faut, il n'a pas de temps à perdre! Je ne sais pas y jouer! Ça fait rien, c'est moi qui gagnerai! Mais d'abord, songeons à tout! Qu'est-ce que tu fais? Je la déshabille. Devant moi? Je range ces objets à ma femme. Je veux être pendu si je comprends quelque chose. Mais tu ne devines donc pas que ma femme sait tout et qu'il n'y a que ce moyen-là de conjurer le mal. Faisons une partie d'écarté. Je ne vois pas bien en quoi une partie d'écarté. Comment tu ne saisis pas? Parbleu, il s'agit de jouer ma femme. L'écarté? Oh non, au baccarat plutôt, j'y ai la veine. Hein? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Non, nous allons jouer ma femme, nous allons lui donner le change, quoi. Ah bon? Ça m'étonnait aussi de sa part. Je ne te demande qu'une chose dans tout ça, c'est de dire tout le temps comme moi. De dire comme toi? Bon, je ne vois pas trop où tout ça nous mènera. Enfin. Je fais les cartes. Je fais les cartes. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Comme tu voudras. Comme tu voudras. Enfin, il faudrait se décider. Enfin, il faudrait se décider. Est-ce que tu as bientôt fini de répéter toutes mes paroles? Comment? Mais c'est toi-même qui viens de me dire de dire comme toi. Tu es bête. Non, de dire comme moi, d'abonder dans mon sens quand ma femme sera réveillée. Ah bon? Moi, n'est-ce pas, tu me dis. Bon, bon. Allons-y. Mais je t'ai prévenu, je ne sais pas y jouer. Oui, oui. Tu y es? Ah, j'ai le roi. Moi, j'en ai deux. Tais-toi donc, quelle âme. Où suis-je? Que s'est-il passé? Cœur. Mais j'aime ça, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux cartes avec Tomreux. Cœur à tout. Ah ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et à tout, ça fait 5, j'ai gagné. À quoi vois-tu ça? Eugène! Ah, cher ami, est-ce que tu as bien dormi? Comment j'ai bien dormi? Eh bien oui, je te demande, comme voilà une heure que tu fais un somme. Ah ça, voyons, je... Compris. Oh, mais ça me va comme j'ai remporté une veste. Eh bien, mon en-tout-cas et mon chapeau. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau et de mon en-tout-cas? Comment est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les avais? Il a un toupet. Je ne les avais pas? Mais dame, pour dormir, je ne vois pas. Ah ça, voyons. Tu ne me parais pas encore bien éveillé. Je ne suis pas folle, cependant. Ça prend. Alors tu n'es pas sorti tout à l'heure? Moi? Tu l'entends, Tomreux? Nous n'avons pas cessé de jouer à l'écarté. Et même il a triché tout le temps. Permets! C'est pour la ressemblance, hein. N'est pas venu un homme ici? Un homme? Oui, monsieur Savinet. Savinet? Tu connais Savinet, toi? Savinet. Attends, il me semble me souvenir que, sous Louis XI, un cousin de Jeanne d'Arc. Mais non, le mari de la maîtresse d'Eugène. De ma maîtresse? Allez, bien bonne, tu l'entends? De ma maîtresse. De sa maîtresse. Vraiment, ce n'est pas vrai. Elle le demande. T'en es bonne. Ce n'est pas vrai. Ça a pris. Oh, mais puisque ce n'est pas, t'as pas idée du rêve bête que j'ai fait?
Ah oui, tu es arrivée? Ma femme a rêvé. Elle a rêvé, oui. Tu as fait une maîtresse. Mais attendez, vous savez pas ce que je vais dire? Le mari t'avait surpris, il s'appelait Savinet. C'est pas vrai. Savinet. Oh, c'est drôle. C'est d'un drôle. Il t'a poursuivi jusqu'ici. Il te provoquait. Il te vendait du cognac. Et tu faisais des mecs. C'est à mourir. C'est à mourir de rire. Oh là 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 là. Eh ben, va donc, va donc. Tu veux te sortir pour aller chez ta maîtresse. J'étais seule. Oui, oui. Ça prend trop, ça prend beaucoup trop. Et alors? Alors, je ne peux pas raconter ça devant Monsieur Tomreux. Oh, bien sûr, si vous pensez que devant moi... Oui, oui, c'est un rêve que vous n'avez pas besoin de connaître. Mais je ne demande pas! Je ne demande pas. Je le raconterai à mon mari quand nous serons seuls. Oh, c'est égal! Ah, oh, j'avais bien cru! Ah, oh, c'est bête, les rêves! Oh, c'est idiot, n'est-ce pas, Tomreux? Idiot! Ah, oh, le marchand de cognac! Savinet! Mon cousin Jeanne d'Arc! Pauvre vieux, tu te bats? Oui, et quel duel! Un duel où je dois faire tous les honneurs! Entrez donc, vous êtes chez vous? Comme c'est gai. Enfin, n'importe. Écoute, mon cher, je ne me fais pas d'illusions. On ne sait ni qui vit, ni qui meurt. J'espère pourtant que ça se terminera bien. On ne sait jamais. Merci. Si toutefois, l'issue ne devait pas être heureuse, prends cette lettre. Elle contient mes dernières volontés. Tes dernières volontés? Ouais. On ne se figure pas combien c'est pénible d'écrire ces choses-là. Surtout quand il s'agit de soi. Là voilà. J'ai pensé à toi. Hein? Quoi? Est-il possible? Oui, pour la mettre à ma femme. Dans le cas où l'éventualité que nous appréhendons se produirait. Ah oui, ça m'étonnait aussi de sa part. Puis-je compter sur toi? N'aie pas peur! Pas plus tard que demain, elle les aura! Comment, pas plus tard que demain? C'est tout ce que tu as à me dire? Non, voici encore une lettre. Encore? Il me prend pour le facteur, alors. C'est une lettre pour le président de mon cercle. Et... Ah. C'est lui qui sera mon second témoin. Il est un peu gâteux, mais enfin, tu sais, il est président. Tu me feras le plaisir d'aller le trouver? Mais s'il est gâteux... Eh ben, tu t'entendras avec lui pour ce qu'il y a à faire. Je vous confie mes intérêts. C'est entendu. J'y cours. Et pour le reste... À la grâce de Dieu! À la grâce de Dieu. Comment il siffle? Voilà un témoin qui a une façon de comprendre sa mission. Ce duel, ce qui m'embête.
Sophie. Monsieur? Sophie, il n'est pas encore venu. Deux messieurs en noir me demander. En noir? Si, monsieur, il est venu le charbonnier. Non, c'est pas ça. J'attends deux messieurs, deux témoins. Monsieur marie quelqu'un? Non, Sophie. Oh, ma pauvre Sophie. Ce sont les témoins de mon adversaire. Je me bats. Monsieur se bat. Est-ce que c'est drôle? Je ne vois pas de quoi rire. Je ne vois pas monsieur se battant. Eh bien, je ne vous demande pas de me voir. Si ces messieurs venaient, vous me préviendrez. Oui, monsieur, oui. C'est curieux comme on prend gaiement partie de mon duel ici. Il va se battre. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends dire « il va se battre ». Je trouve ça si bête. Hein, Sophie? Oui, madame. Monsieur n'est pas encore sorti de sa chambre? Si, madame. Madame veut-elle que j'aille le prévenir? Non, je vous en prie, ne prévenez personne. Bien, madame. C'est drôle. Ils vont toujours l'un après l'autre. Et c'est à qui il ne se verra pas? Certainement, je ne veux pas le voir. C'est-il à se moquer de moi? C'est indigne! Puis c'est des courts instants où sa femme dort pour... C'est indigne. Ben voilà où nous en sommes, obligés de ne pas dormir pour assurer notre repos. C'est égal, il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Monsieur Savinet! Hein? Si monsieur veut entrer, voici toujours madame. Ah, madame, je vous salue. Vous ici, monsieur. Après ce qui s'est passé? Je comprends, madame, que ma présence ait de quoi vous étonner. Je sais qu'il est de règle en matière de duel de ne communiquer avec son adversaire que par l'entremise de ses témoins. Mais les règles, je ne sais pas qui les a faites. En tout cas, on ne m'a pas consulté. Par conséquent, je les engendre. Ah. Oui, d'ailleurs, je tiens précisément à parler à monsieur Ribadier avant que nos témoins respectifs ne s'abouchent. Mais au fait, je peux bien vous le dire. En deux mots, voici ce qui m'amène. J'ai surpris, n'est-ce pas, monsieur Ribadier, chez ma femme. Oh, le monstre! Madame, c'est pas vous, c'est ma femme qui aurait dû dire ça. Mais elle ne l'a pas dit. Ce qui est fait, il n'y a plus à revenir là-dessus, c'est bien établi. J'avais agi envers monsieur Ribadier en parfait galant homme, je ne lui avais demandé qu'une seule chose, garder le secret. Et ne pas renouveler autant que possible, enfin ne pas renouveler, bien entendu. C'était de la générosité. N'est-ce pas? Il ne l'a pas fait, je le regrette. Mais maintenant que des tiers ont été mêlés à une aventure qui devait rester entre nous, j'estime qu'une rencontre est devenue inévitable. Ceci, naturellement, pour ceux qui savent. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, j'aime autant ne pas ébruiter l'affaire. Je serais très vexé de me singulariser à Bercy. Vous êtes modeste. J'ai jamais aimé me faire remarquer. Donc, je viens demander à ce brave Ribadier de laisser ignorer à ses témoins et à tout le monde le véritable motif de notre rencontre. Nous nous battons sous un prétexte quelconque. Comme celui-ci, par exemple, que j'ai imaginé. Ribadier et moi avons dîné ensemble, n'est-ce pas? On nous a servi un vin fin. Ribadier a dit que c'était du Bordeaux. Moi, j'ai dit que c'était du Bourgogne. C'était moi qui avais raison et nous nous battons à mort. Vous croyez que cette raison-là... Oh, nous n'en trouverons pas de meilleure. Pour Bercy, songez-nous, une question professionnelle. Ceci d'ailleurs est affaire entre vous et monsieur Ribadier. Quant à moi, je n'ai plus rien de commun avec lui. Ah ça, allons donc, vous êtes fâché après lui? Tiens, fâché. Ah, le mot est aimable. Tenez, vous n'avez pas de philosophie. Tiens. Non, madame, vous n'en avez pas. C'est pas moi. Ah ça, mais est-ce que vous croyez qu'au premier moment, j'en ai pris comme ça à mon parti? Non. J'ai été comme vous. J'ai été ennuyé.
Ben voyez-vous, dans la vie, le tout est de bien établir sa situation. Ce matin, quand j'ai vu mon domestique m'apporter mon déjeuner comme à l'ordinaire, quand mon concierge m'a remis mes lettres, je me suis dit, en somme, qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien. Une fiction. Il y a beaucoup de conventions dans tout ça, vous savez. Vous croyez? Oh, madame, s'il y en a. Alors, à côté de ça, bon, je commence par vous dire, je suis pas superstitieux, enfin, c'est curieux tout de même. Une affaire superbe, après laquelle je courais depuis 2 mois sans parvenir à une solution, v'lan, ce matin, en 2 temps, j'ai conclu. C'est moi désormais qui ai la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons du Val. C'est une affaire énorme. Eh ben, ça prouve rien, c'est évident. Mais enfin, je serais peut-être en droit de me dire, si Monsieur Rivadier tout de même n'était pas venu me... Hé, j'aurais peut-être pas la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons du Val. Je crois que c'est vous qui êtes l'obligé de Monsieur Rivadier. J'irai pas jusqu'à dire ça. J'oublie pas quelle a été sa conduite à mon égard. Si encore, il s'était contenté de me prendre ma femme. Mais il parlait même pas de moi respectueusement. Non. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de votre mari que j'ai trouvée chez ma femme. Comment ça? En fouillant. Vous allez voir. Ma Réré. C'est un abréviatif de Thérèse. Ma femme s'appelle Thérèse. Ah. Moi, je l'appelais Tété. J'avais pris la première syllabe. Lui, il a pris ce qui restait. Je vais t'en donner, moi, des rérés. C'est trop tard, madame. Il vous a pas attendu pour ça. Ma Réré. Je viens de te quitter et j'éprouve le besoin de t'écrire. J'ai été bien heureux ce soir. C'est inconvenant. Si c'est inconvenant, bah, qu'il dit de vous. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari. Il est... Non, lisez, tenez, lisez. J'aime mieux que ce soit vous que moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari. Il est... laid comme un singe. C'est de moi. Vous trouvez ça poli? Qu'il est heureux, cet homme, de vivre près de toi. Tu es la vraie femme adorable. Quand je te compare à la mienne qui est... Oh non, non, tenez, lisez, je ne peux pas. Qui est insupportable, défiante, géniale. Ah, quel obstacle ce serait entre nous sans mon précieux système. Hein? Comme c'est commode, chaque fois que ton... Je reviens sur l'eau. Chaque fois que ton... Non, à vous, tenez, à vous. Chaque fois que ton imbécile de mari s'absente. C'est toujours moi, vous trouvez ça poli? Pour avoir la clé des champs, je n'ai qu'à regarder ma femme d'une certaine façon dans les yeux, et la voilà endormie pour autant de temps que nous en avons besoin. Ah, il endormait aussi la mienne. Hein? Quoi? Moi? Oh, le monstre! Je comprends maintenant, ce sommeil, c'est inexplicable, j'étais... Il me... Oh, le monstre! Mais lisez la suite, lisez! Non, 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 tenez, je ne peux pas! Rien de la sorte ne peut troubler nos amours. Sauf... Si tu savais comme je t'aime. Comme je t'aime bien! Madame... Pardon, il me semblait que c'était mon mari. C'est trop fort! C'est pas une raison parce qu'il s'est mis à ma place chez moi pour que vous me mettiez à la sienne! T'en pousses aussi hors de la question! En attendant, je garde cette lettre, elle me servira... Non, pardon, mais je la garde aussi pour la même raison. Permettez, elle est écrite par mon mari, j'ai le droit de la voir. Oui, mais elle est écrite à ma femme, et comme telle, elle m'appartient. Bon, ben alors, chacun la moitié. Elle me donne la feuille blanche. Tiens, le credin. Tiens, il m'endormait. Qui est-ce qui aurait dit que je... Ben voilà, il m'endormait. Et maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Et moi donc? Le divorce. Moi aussi. J'irai vivre toute seule. Moi aussi. Mon mari me rendra ma dot. Moi aussi. Hein? Je dis, mon mari me rendra ma dot. Oui, j'avais bien entendu. Alors, vous croyez que... Mais vous supposez bien qu'il va pas la garder puisque nous nous séparons. Hein? Oui, c'est juste. Diable. Et qu'est-ce que ça vous fait? Bah, ça fait rien pour votre mari. C'est pour moi, je dis. Diable. Bah quoi? Eh bien quoi? Évidemment, la dot, je comprends très bien. Mais la rendre en ce moment-ci, moi, quand ma femme m'a apporté ses 400 000 francs, je les ai employés en valeur argentine. Eh bien, c'était très bon à ce moment-là. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le cas. C'est pas du tout le moment de vendre. Je pourrais jamais restituer la dot au père. Vous avez une fortune personnelle. Elle est représentée par ma maison de commerce. Ah, la liquidez là. Alors vous entendez à votre aise. Alors parce qu'il a plu à ma femme et à monsieur Rivadier de... qu'ils m'ont fait, ce n'est pas assez, il faudrait encore que ça me coûte de l'argent. Ah non. Madame, ah avez... non, non. Je veux encore bien l'être. Mais au moins, à l'œil. C'est votre affaire. Oh ouais, du reste, je vais aller trouver Tété. Tété? Ma femme. Ah oui, Réré. Non mais Réré pour lui, Tété pour moi. Je vais aller trouver Tété et j'aurai une explication avec elle. Alors madame, vous direz à cet excellent Rivadier que je regrette beaucoup, mais que je ne peux pas l'attendre plus longtemps. Soit, je lui ferai dire... S'il vous plaît, au revoir madame.
Et maintenant, il faudra bien que ma femme me donne de bonnes raisons. Non, mais il n'y a pas. Les fonds argentins faisaient hier 357. Je peux pas vendre à ce prix-là. On y va, elle t'en donnera des bonnes raisons. Et même si elles ne sont pas bonnes, tu sauras les trouver telles. Voilà les hommes, tenez. Heureusement que nous ne sommes pas comme ça, nous autres femmes. Et monsieur Ribadier pourra bien me donner toutes les bonnes raisons qu'il voudra. Vous m'endormiez. C'était commode, n'est-ce pas, madame Chen? On l'immobilise, on la range dans un coin. Eh bien, à nous deux, je veux que votre bel exploit tourne à votre confusion. Je vous ménage une... Lui, il arrive bien. Ma femme. Pardonnez-moi, madame, Sophie m'avait dit qu'un monsieur m'attendait ici. Et monsieur, ne nous occupons pas de la personne qui était ici. Elle n'a pas pu attendre. Elle est partie. J'ai à vous parler. À moi ? D'une chose des plus graves. Madame, je devine tout ce que vous pouvez me dire. Je reconnais tous mes torts, vous pourrez donc demander le divorce contre moi. Eh bien non, monsieur, nous ne pouvons pas divorcer. Il s'est passé des choses si graves que quelques désirs que j'en ai, je ne dois pas divorcer. Et que voulez-vous dire ? Il est bien vrai, n'est-ce pas, que tous les soirs où vous aviez besoin de votre liberté, vous m'endormiez. Comment ? Vous... Je ne cherche pas à mentir, c'est vrai. S'il a vu. Bien, monsieur, chaque soir, une fois que j'étais endormie et que vous étiez parti, un homme pénétrait dans cette chambre. Hein, que dis-tu ? Et alors, abusant de mon état et profitant de l'obscurité... C'est faux, dis-moi que c'est faux ! Hélas, je le voudrais. Elle le voudrait ! Ah oui, je comprends. Hier, la fenêtre ouverte, c'est par là qu'il sera entré le misérable. Quel est-il, cet homme ? Son nom ? Je l'ignore. Mais tu l'entendrais, tu l'as vu ? Mais non, la lampe était toujours baissée. Ah, oh, c'est affreux ! Tous les soirs, alors, un homme ! Qui c'est un homme ? Ils étaient peut-être plusieurs. Ça, non, je te réponds que c'était toujours le même. Ah, tais-toi, tiens, tais-toi ! Mais mon ami, ce n'est pas de ma faute, tu m'avais endormi. Ça fait rien ! Tu viens appeler, tu fais crier ! Crier ? Ah. On ne crie que dans les cauchemars. Je ne peux pas dire que c'était un cauchemar. Assez, madame, assez ! Et veux-tu que je te dise, dans mon sommeil, je me figurais que c'était toi, alors. Moi ? Allons donc, tous les soirs ? Tu sais bien que... Allons donc. Eva, tu n'as pas besoin de te défendre. Je sais très bien qu'avec moi, dame, on est parcimonieux chez soi quand on est prodigue en dehors. Oh. Je ne te le reproche pas. On ne peut pas être à la fois ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Oh. Trêve de raillerie. En attendant, voilà la vérité. L'affreuse vérité. Tu peux bien dire que c'est ton œuvre. Tiens, laisse-moi. J'ai besoin d'être seul, de réfléchir, de comprendre. Eugène, c'est la fatalité. Ah, mais je le retrouverai, le misérable. Oui, va, tu seras bien malin si tu y arrives. Ah, ah, c'est affreux. C'est affreux ce qui m'arrive. Voilà ce que tu as fait, imbécile. Voilà ce dont tu es cause avec tes malices. Car enfin, elle n'est pas fautive, elle, la pauvre martyre. C'est toi, au lieu de te conduire comme tu le fais, au lieu de tromper ta femme, comme tous les maris avec des moyens classiques, tu as voulu faire le savant. Avoir ton système à toi, le système Ribadier. Eh ben voilà où peine le système Ribadier. Ah, c'est à s'arracher les cheveux. J'arrive de chez ton président. Il ne peut pas, il est mort. Par conséquent, pour ton duel... Il s'agit bien de duel. J'ai autre chose en tête que mon duel. Hein? Tu sais le rêve que ma femme ne voulait pas me raconter devant toi. Sapristi. Eh ben, elle m'a tout dit. Ah, vraiment, Alta? Oh, mon Dieu. Ah, si tu savais, pendant mes visites chez madame Savinet, un misérable s'introduisait ici. Oh là 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 là. Tous les soirs, mon ami. Hein? Ah non, pas tous les soirs. Si, tous les soirs. Mais dis donc, c'était pas moi? Ben, je sais bien que c'était pas toi. Est-ce que tu as cru que je te disais ça parce que je te soupçonnais? Non, simplement je disais...
Qu'est-ce que tu dis là? Un misérable qui s'introduisait et accusait lâchement du sommeil d'Angèle pour... N'achève pas! N'achève pas! J'ai peur de comprendre! Tu y es! Angèle, ta femme, Madame Ribadier, tous les soirs! Voilà! Et tu m'annonces ça comme ça, à moi, sans ménagement, à moi! Tu vois ma tête d'ici quand j'ai appris! Et ta tête, tu ne penses qu'à ta tête, toi! Ce misérable, quel est-il? Un inconnu! Son nom! Puisque c'est un inconnu! C'est juste un inconnu, on ne sait pas qui c'est! Et tu ne soupçonnes personne? Mais personne, mais tout le monde! Non, là, c'est tout le monde qui a la main d'Angèle! Elle est jolie, le résultat du système Ribadier! Il est joli! Oh, le misérable! Dire qu'il est entré tous les soirs par cette fenêtre! C'est dégoûtant! Ah! Qu'est-ce qui t'accrochait là? Hein? Un indice. Une boucle de gilet avec un morceau de pâte arraché. Une boucle? Mais dis donc, c'était pas moi! Je savais que c'était pas toi. Est-ce que tu as cru que je te disais ça parce que je soupçonnais? Non, simplement je disais. Oh, qu'est-ce que tu disais? Un misérable qui s'introduisait. Et abusé lâchement du sommeil d'Angèle pour. N'achève pas! N'achève pas! J'ai peur de comprendre! Tu y es! Angèle, t'as pas Madame Ribadier tous les soirs! Voilà! Tu m'annonces ça comme ça, moi, sans ménagement, à moi! Pour ma tête ici quand j'ai appris! Mais ta tête, tu ne penses qu'à ta tête, toi! Ce misérable, quel est-il? Un inconnu! Son nom! Est-ce que t'as connu? T'es juste un inconnu, on ne sait pas qui c'est. Tu ne soupçonnes personne? Personne et tout le monde! Oui, là, c'est tout le monde qui a la main d'Angèle, elle est jolie! Le résultat du système Ribadier, il est joli! Misérable, misérable! T'es qu'il en fait une soirée pour cette flingue! T'es dégoûtant! Ah! Qu'est-ce qui t'a penché là? Alice, une boucle de gilet avec un morceau de pâte arraché! Une boucle? Ah, mais non, c'était pas moi! Je sais que vous avez la soupçonnée! Non, c'est pas moi, je sais pas, 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 je connu! Je t'ai reconnu, c'est pas qui c'est! C'est tout le monde! C'est tout le monde qui a mangé! Elle est jolie! Elle est tapée de privatier! Elle est jolie! Misérable, c'est la tête fenêtre! Dégoûtant! Ah! Qu'est-ce qu'il a caché là? Il y a un morceau de pâte arraché! Dis donc! C'est pas à moi! Elle est jaune! Amère raillerie! Mais à qui? À qui? Une boucle de gilet! Tous les hommes portent des gilets, ça ne m'indique rien! Ça t'indique toujours que c'est un homme! Oui, mais ça, je m'en serais douté, un homme. C'est la moitié du genre humain, un homme. La moitié du genre humain pour une femme seule? C'est à se casser la tête. Monsieur, il y a Guzman qui... Allez, au diable, vous. Ah. C'est moi, monsieur, je venais prendre les ordres pour atteler. Il n'y a pas d'ordre, allez. Il n'y a pas d'ordre, allez. De quoi se mêle-t-il, l'ami? Ah! Quoi? Oh. Regarde donc la boucle. Non, lui, elle n'y est plus. Oh! Qu'est-ce qu'ils ont? Le cocher. Oh, misérable assassin. Oh, mon Dieu. Ah, c'est toi. C'est toi. Bah oui, c'est moi. Je vais l'étrangler. Ah. Ah. Laissez-nous. Oui, monsieur. Vous voulez me rester? C'est à vous que je parle. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire, mon Dieu? Et dire que cet homme-là, le suborneur, il est là. Le voilà. Le voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dévisagé? Regardez-le, il sourit, il a l'audace de sourire. Je vais le tuer. Hein? Non, pas encore. Avant tout, il faut savoir l'interroger sans avoir l'air. Il s'agit d'être diplomate. Laisse-moi faire, j'ai été consul à Batavia. Va. Ah ça, cocher. Est-ce que vous ne seriez pas par hasard le séducteur de madame? Ah ben veux-tu taire? C'est ça que tu appelles de la diplomatie? Comment, mais c'est très fort, il allait être pris. Et toi, tiens, laisse-moi faire. Approchez. Connaissez-vous ça? La boucle de mon gilet. Sa boucle. Il la reconnaît. C'est sa boucle. Mais oui, oh bien ce que je l'ai cherché. Oh, c'est ta boucle, gredin. Allons donc, ça le reprend. C'est toi, n'est-ce pas, qui escaladais cette croisée tous les soirs quand je n'étais pas là? Monsieur, c'est... Tout, tout. Tu venais pour une femme, hein? Tu venais pour une femme. Allons, à vous. Oh, monsieur la galanterie, je suis gentleman. Oui. 50 francs pour toi. C'est bien. Alors, c'est toi qui venais ici dans l'obscurité? C'était moi. Tu avais bien soin de ne pas relever la lampe. Et j'allais aussi bien à tonton. Oh! Tu as osé, la pauvre innocente, par la violence, en dehors de sa volonté. Quoi? Non, je dis par la violence. Ah non, non, c'est elle qui me faisait des avances. Hein? Infamie. Oh, Angèle. Quelle affaire pour une bonne. C'est elle qui lui a fait des avances. Il a toujours eu un faible pour les cochers. Oh! Ah! Oh, taisez-vous! Oh, la misérable! Tiens, va par là!
Et attends que je vienne te chercher, tu m'entends? 1050 francs, monsieur. Et 50 francs, tu me faudra encore un pourboire? C'est de l'impudence! Mais tu n'es pas là! Oh, mon ami! Oh, c'est affreux! C'est monstrueux! Oh, qui aurait pu se douter, la sainte Nitouche, hein? Quand elle me jouait à la comédie? Et qui? Son cocher! Ce sera un homme bien encore. Oui, mais quand on lui propose un homme bien, elle n'en veut pas. Mais un cocher! Un subalterne. Oh, mon ami, ça fait mal dans ta bouche. Hein? Mais elle va voir. Angèle! Angèle! Non, il y a des situations qu'il faut savoir prévoir dans la vie, mais à ce degré-là, non. Vous désirez me parler? Approchez, madame. Je sais tout. Nous savons tout, madame. Tout quoi? Ce qui se passait ici, l'inconnu, tous les soirs, par la fenêtre. C'est moi qui vous l'ai dit. Oui, mais ce que vous ne m'aviez pas dit, c'est que vous le connaissiez, l'inconnu, que nous le connaissons également. Allons donc. Parfaitement. Parfaitement. Vous le connaissez. Mes compliments. Il tombe bien. Il nous a tout dit, madame, tout. Ah. Tout. C'était pas lui qui abusait de votre sommeil. C'est vous qui alliez le chercher. Hein? Oh, honte! Tenez, il est là, madame, votre amant. Il est là. Là. Le voilà, madame, votre amant. Sortez! Sortez! Le cocher? Il m'a raconté, tout avoué. Hein, vous? Oui, madame, et j'avoue encore devant vous. Mais c'est faux! Comment c'est faux? Oh, tu nous crois pas, n'est-ce pas? Je veux pas que tu le crois. Hein? Jamais, jamais, je te le jure. Tant que je savais que c'était une invention, je voulais que tu le crois, pour te faire subir le châtiment de ce que tu m'avais fait souffrir. Du moment que par une circonstance que je ne comprends pas, tu peux sérieusement t'imaginer. Oh non, c'est faux! Moi, avec ton cocher, jamais, jamais, jamais! Qu'est-ce que ça veut dire? Où allez-vous, vous? Quelle était la femme qui... Mais Sophie, monsieur! La femme de chambre! Sophie! Je savais bien! Mais qui donc avez-vous cru? Personne. C'était Sophie! Sophie. Gusman, je vous dois 50 francs. Tenez, voilà 2 louis. Vous garderez le reste. Hein? Mais monsieur, ce n'est pas le compte. C'est bien, ça vaut pas la peine d'en parler. Oh, mais je la trouve mauvaise, moi. Je rattraperai ça sur l'avoine. Angèle, c'est mal d'être ainsi joué de moi. Mais tu m'aimes toujours. C'est bien, monsieur. Je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayez pas souffert encore davantage. Oh. Mais tout est fini entre nous. Mais non, il n'y a rien de fini. Tu m'aimes toujours. Non, je ne vous aime pas. La preuve, c'est que je reprends ma liberté et que je vous rends la vôtre. Tu me rends ma liberté? Très bien. Je vais de ce pas chez madame Sabine. Oh, tu ne feras pas ça. Ah, tu vois. Oh, jeune. Que je suis faible. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Mais au moins, promets-moi de ne plus retourner chez cette femme. Ni chez elle, ni chez d'autres. Je démissionne des affaires étrangères. Dorénavant, je reste tout à l'intérieur. En vrai? Oh, oh. Oh. Alors, voilà les expansions qui recommencent. Je crois que je ferais bien de retourner à Batavia.